Zami famille Anouel Akayo, bandi Izo et prend coup dans commune Akaye. Environ 50 bandits tombés. Donc parmi yo gen plusieurs qui mouri noyé dans l'armée et qui t'a porté renfort d'après dernière information yo. Donc nan yon ti embarcation que monsieur Sayo était hier. Yo te joine en pile difficulté dans l'armée. L'armée qui était vraiment mauvais, embarcation ça li arrivé coulé. Donc tout bandit péri et toute munition que monsieur Sayo était porté est bien perdu donc dans l'armée et ami famille nou yo. Yon l'autre côté, donc la police bon côté pal qui te joine renfort donc monsieur Boitio. Eh bien, à Kassipo, membre en population, donc selon responsable point focal, la direction protection civile, DPC, dans la commune, Wilner René, donc attaque à gang Ameyo, qui était actif dans les Canariens qui soutenait tout par unité Village de Dieu, donc IDV. Donc, tu as commencé depuis 17 octobre qui sont passé là, qui t'est visé localité Robert et Saint-Médard, avec la barrière poids, avec objectif pour occuper donc la ville à Kaye. Donc il y a une grosse mobilisation citoyen avec un mouvement autodéfense qui organisé yo. Donc tu renforcé vigilance en communauté hein. Donc PNH là qui était dans premier ligne bataille yo, t'es mené un combat intense pour repousser offensive et bandi yo. Donc alliance solide entre population avec PNH là t'es mené et te menen yo kouri derrière donc à plusieurs bandits criminels qui pas de chance en chapper donc selon Wilner René et zami famille yo. Donc après yon nuit tension commune Akaye te levé mercredi dans yon climat inquiétude donc tension te diminué mais crainte yo donc te augmenté donc pour yon nouveau attaque armée et bon côté et gang yo. Donc ça a été rete dans l'esprit moun yo dans Akaye et bien pour limiter progrès force policiers donc en bandiyo te détruit pont Bétel qui connectait commune et cabaret à Akaye. Donc d'après ancien candidat pour député dans cité de Rapoa Wilner René que n'a invité au tande pour moment n'a parlé là et même j'ai entendu dit la production et depuis avant il y a la police avec population mis ensemble la police a fait échange avec bandiyo donc il y a plus de là dedans qui tombé. En plus là-dedans, ils ont tombé, puisque environ 50 déjà tombé, dans divers coins, mais environ 50 bandits tombés et dans divers coins, et ça, c'est capable de partiellement bilan la police, arriver fait par rapport avec l'échange, résistance la police fait avec bandits et population qui accompagne eux, parce que population est dans tout, capable de coin, dans tout en Babanan, ils ont même orienté la police. Aider la police, ouais, et les messieurs eux-mêmes, ils ont fait route en barrage, route dans le corridor. Pour comment est-ce qu'ils ont poussé ou tourné dans la zone côté où ils sont sortis? Parce que Akaye sont une commune historique, une commune stratégique, une commune mystique. Donc, nous ne pas capables de quitter la commune et tomber en bas de mes bandits. Donc, c'est l'identité pays. Malheureusement, monsieur n'ont pas tenu compte de ça. Ils n'ont pas compte valeur pays, ils n'ont pas compte identité. Ils sont sortis pour attaquer Akaye. Donc, énergie et énergie positive yo, avec la police population a aidé nous mettre dehors. Yon l'autre côté yon présumé bandi stoppé mortellement dans échange coup de balle avec brigade intervention B police Okaya Sid et puis gen yon pistolet qui arrivé confisqué donc un mercredi 23 octobre qui s'est passé là présumé bandi ça qui relé Patricio Alexis était accompagné par yon complice li. Donc monsieur ça qui est habitué rançonner moun et citoyen paisible et dans zone yo relé Demapou. Donc yo té sou yo motocyclette, yo té vinn joine surprise nan men agent donc la police. Individu sa yo ki té tiré sou patrouille la police, eh bien la police té répond à temps. Donc pendant échange coup de zam ça, donc la police nationale yo, donc gen yon ki est blessé et puis ki perdit la ville. Donc pendant que gen l'autre là, donc ki est sauvé malgré li blessé. Donc en par balle zami et famille nou. En bas et direction directeur général AIAN PNH là. Donc monsieur Ramon Omil, institution la police là prend engagement pour renforcer présence dans et toute la rue donc pour que yo courir derrière et bandi yo et puis renouveler détermination pour rétablir un climat la paix et la sécurité dans tout un pays. Mais selon expert en sécurité Reginald Delva qui t'a intervenu jeudi hein, eh bien Reginald dit nous que sécurité n'est pas seulement dépendant de la police, c'est un package que tout temps
instance dans l'état donc on doit impliquer donc pour que gain un plan de sécurité qui appliqué donc pour que la police en lui-même pas tourner donc un service en pompier donc c'est à chaque fois que bandi au même en fin attaqué et puis pour la police lui-même venir essayer donc éteindre et du feu. Eh bien Reginald Delva qui t'a intervenu aujourd'hui hein, donc dit nous que tu gagne un plan de sécurité qui était établi donc un plan qui était gagné en pile page sous et ancien et président de fin René Préval. Donc il y a quelques points que il était commencé moyen et sous Michel Matéli, n'a pas rappelé nous en 2010 donc c'est Michel Matéli donc après élection qui devine et prend pouvoir. Eh bien Michel Matéli qui était commencé donc moyen quelques points dans plan de sécurité ça mais après donc on pas gagné qu'un suivi qui fait donc monsieur t'a semblé mettre donc plan de sécurité ça de côté. Donc avant que nous faire autant de Reginald Delva donc est-ce que on connaît que l'armée d'Haïti les mêmes gain un pile point est sensible un point stratégique que l'armée d'Haïti dans moment que l'était existait donc était déjà gagné donc yon disposition de sécurité qui ont été mettre en place et pour que il était contre carré question de contrebande et ont gagné un service de renseignement donc a quitté vraiment donc ba yo toute information donc sur et plusieurs donc activités criminelles et qui t'a fait dans pays mais après que monsieur a fini craser donc surtout et ancien président Jean-Bertrand Aristide a fini craser la médaille Haïti et bien tout et plein et tout dispositif de sécurité ça yo laissé et tomber c'est raison ça donc en pays lui-même vient tomber dans kachou bombé et insécurité que n'a pas vivre et journée et jodi donc Reginald Delva et monsieur parlé en pile causé que nous pral inviter autant et c'est que ou une réaction pas oublier donc la gueule dans un commentaire en bas vidéo. Il y a un principe qui joue chaîne n'a pas capable pas capable solide de maillon faible là donc c'est le maillon faible la chaîne n'a toujours cassé. Donc nous pas capable improviser tout le temps. Un bon exemple simple et souvent et bon pas oublier que vous rappelez moi j'étais secrétaire d'état sécurité publique et pour pas venir pour improviser on était puis c'est quand même feuille de route bureau et sécurité publique là en d'un plan de développement plan stratégique de développement d'Haïti que gouvernement Préval président Préval là t'es pour paquet de temps un paquet d'experts pour te préparer un document de 300 pages et t'es dit voilà le plan stratégique de développement d'Haïti 2010-2030. Autrement dit, le président Matéli Vini, lui-même, lui hérité le plan ça et lui quand même il valide et pas bien 2010, tout est long période de tomber dans le tremblement de terre. Donc c'est une période extrêmement agitée. Mais cependant, il y a eu ce document. C'est des documents ça, qui sont bibles, qui sont quand même aux feuilles de route, que tout évidemment gagné quand même écouter pour ta passer mais là-dedans. Mais nous épuisons tout ça que sécurité publique a pour le faire. Oubliez que tu as toujours dit que c'est question, nous toujours confondre criminalité et sécurité. Sécurité à global, criminalité à en dedans. Et c'est la raison pour laquelle que sécurité publique là, très souvent négligée, mais sous garde en dedans, encore une fois, si acteurs décident, chaque monde au lieu de venir faire pas, même j'ai gagné au plan de développement de la PNH, qui était 2012-2016, 2017-2021, il y a ça les COMOS là qui c'est le comité et de mise en œuvre et de suivi de ce plan. Donc c'est là encore une fois, nous pas capable d'improviser chaque monde qui vient pas capable à faire parler. Alors que si nous retournons encore une fois, notre plan stratégique de développement d'Haïti a pas gagné encore, nous capable de faire amélioration et pas gagné encore pour les voter. Réflexion originale d'Elva, vous faites en pile. Et on parlait du plan stratégique ça là qui est élaboré depuis sous la présidence de René Préval. Moi rappeler me la tout récemment sous Ariel Henry où tu fais partie d'une initiative de plusieurs acteurs société civile là qui était les GTS groupe de travail sur la sécurité, nous t'ai réfléchi, nous produit et de réflexion de recommandations m'ta capable dire. Mais qui côté bagarre la bloqué et qui fait que réflexion ça on produit on pas capable jamais implémenter ou bien et pas capable implémenter sur le terrain côté Negordien.
Bon, et c'est dommage, parce que moi, je trouve qu'une fois que je suis en poste, pour mes travail comme je fait, je suis assuré que je suis ni document. Ma bon exemple très simple par rapport avec ma bon exemple, une travail que je fait, c'était justement le travail sur la question de déportés criminels des États-Unis. Parce que vous, quand même, on a un problème lié de des gens qui ont déporté, d'avoir regardé dans la crise que nous avons la crise côté que l'aéroport a été fermé en mars dernier, ou après que plusieurs avions ont atterri au Cap avec des déportés criminels venant des États-Unis. Vous avez parlé des gens qui font 15 ans, 20 ans en prison, parfois 25 ans en prison, parfois il y a des gens qui ne peuvent pas venir en Haïti. C'est pour. Il faut y rentrer dans le pays. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'ailleurs. Au niveau de Chrome, le dernier rapport qui sortit, Chrome, c'est le dernier point côté que vous transférez avant que vous déportez, parce que vous finissez purger peine, n'a pas oublié. C'est des gens qui finissent purger peine et puis qui vont le déporter. D'ailleurs, depuis l'enverdict, depuis qu'il a condamné mon juge, il a déjà dit que l'Ipral est purger peine et après ça, il a déporté le pays et côté le sorti. En plus, on sait c'est le baptiste que vous avez un grand-père qui est haïtien et puis que vous avez et vous avez Haïti. Donc, et on va regarder au niveau de Chrome, comme t'as dit, qu'il y a deux tentatives de suicide qui n'ont pas enregistré, parce que moun sa yo, yo wè que vraiment c'est mourir, pas mourir, pas prendre pays, yo pral déporter, yo quitte famille, yo quitte machine, parfois yo quitte caillou aux États-Unis. Donc, pour m'être capable d'entrer dans la logique, pour m'étiquette, comment nous pralement des groupes d'amis? Et qui ont moratoire, nous pas dire au campé net, mais en attendant que nous organisons la question de sécurité, et nous pas prendre. C'est que moun sa yo pral vin aide certains compatriotes que yo ye, certains de protection, certains de encadrement, mais pas non si tant pour nous préparer question. Mais qui, par hasard, nous avons rencontré le président Préval au funérail, et pendant que nous avons le président, le secrétaire d'État, et nous profiter tout soulever le problème avec elle, et il était prêt à temps pour le dédier au chef, bien content, parce que nous avons fait même un bagage là après 12 janvier par rapport à 2010. Donc, il était même deux conseillers pour me décider avec eux pour me travailler. Donc, ça veut dire quoi? Le président Préval allait, le président Matéli vini, mais vous suivez cap fait par rapport avec l'équipe qui était là avant. Nous pas fait l'équipe qui était là avant, comme nous, que je vous dis à ces moments là, ou pas là, à l'époque. Donc, c'est ça que nous déplorons à chaque fois. C'est ça, il y aurait pratiquement des incongruités protocolaires. Parfois, même l'installation au ministre, le ministre qui a pris un poste là, déjà d'où il joue. Autrement dit, le ministre qui a remplacé à tel fait noir. Donc, il a déjà cassé le momentum non, pour que même sous table du conseil, ou pas même intéressé encore, parce que il joue. Donc, c'est tel fait noir. Donc, là, encore une fois, c'est ça qui est malheureux. Pas un suivi et au plus haut niveau de l'État qui fait par rapport à dossier ça. Absolument. C'est ça que nous déplorons. Résinal Delva, faut tirer été ensemble avec nous puisqu'il fait 8h01 dans le studio Caraïbe FM. Et Axel qui fait Piraguana, ou après que, et un camion, et un camion gaz, et puis où est plus d'une vingtaine de personnes perdues de la vie bêtement, et nous capables de dire, sur la question de sécurité publique, n'est pas criminalité. Donc nous devons éviter par rapport à prévention, par rapport à éducation, mieux que parce que véritable problème, pays a son problème d'éducation. Et parallèlement à ça, on peut que le gouvernement haïtien, ben, 3 jours, et le deuil, et pour les hommes, mais après, qui s'est fait parallèlement à ça, on va regarder au Kenya, Kenya que peut-être que nous capables de critiquer, qui vient là à nous. Ouais. Et l'action qu'il a fait, il y a l'école en septembre, on l'école et on met des zones d'accueil qui ont pile de monde d'ailleurs, et qui prend du feu, qui perd du et en pile de monde de l'avenir, plus d'une vingtaine d'eau, et beaucoup de Kenya, et qui sont comme différence, il y a 3 jours de deux après. Entre eux-mêmes, mais qui savent, avant même que parrain ait été récupéré le corps, le gouvernement kenyan a annoncé que l'a fait ADN tout cadavre que l'a récupéré pour sud identité de qui mourit. Regardez-vous là, quand qui s'est passé, rien. Est-ce que nous pouvons dire l'isme, est-ce que le gouvernement a publié l'isme qui mourit? Non, nous ne pouvons pas faire, parce que nous ne pouvons pas doter nous le moyen scientifique pour nous permettre que justement, parce que combat. Et détention préventive prolongée, qui s'est pigouflé ou cap fait que le monde nous dit à nous y a plus de 3000 prisons. Et il y a gagné ou bon garanti que c'est fait mon côté, faute de preuves, faute d'une police scientifique. Donc, le Premier ministre Kouni, qui a dit à la dit bon, au moins, m'a fait qu'il y a un laboratoire scientifique. Donc, il y a gagné là quand même. Il fait là, aujourd'hui, l'autre pour là, pour montrer qu'il fait ADN pour chaque monde qui mourit pour le dire. Mais qui m'ouvre. Donc, c'est là encore une fois, il faut nous profiter avec un leadership avisé, éclairé, de ça là, parce que nous ne sommes pas cachés dans nous tirer sur nous, nous tirer sur nous, nous réduisons quand même les opérations de la police à uniquement les bilans de gens qui tombent,
n'attendez que même les protections civiles, c'est même logique là, combien de bandits tombés, combien ils ont été récupérés, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Nous capables, on peut faire mieux et on doit faire mieux. Donc, c'est là la question. Donc, il faut ne pas chita au niveau de criminalité. Il faut pile fort pour faire et tout acteur qui est concerné, il faut qu'il rentre dans la bataille là, beaucoup de la police. La police n'a pas qu'à faire beaucoup de qui. Il faut que le ministère intérieur impliqué, il faut que TPT s'échoue. Et avant même que ça ait aussi corsé, la première cause de mort violente en Haïti, c'était accident de circulation. C'est nous qui l'avons mouru sous votre mur. Et ce travail, ça a été fait au niveau de la sécurité publique pour identifier justement cause de mort violente. Et par exemple, je vous dis à gagner occupé au route national, nous battons des gens mourir et autant dans l'accident de circulation. Mais le lendemain, c'est allé dans la cause d'accident de circulation qui s'est dit, caoutchouc a éclaté. Donc c'est là encore une fois, faut bon bureau, qu'a produit des rapports, qu'a produit des chiffres, car les neuf fonds problèmes là pour nous capables de résoudre. Bah, regardez ça ensemble avec vous. Vous souhaitez parler de un plan stratégique qui était élaboré sur René Préval, où tu participé là-dedans. Et après la présidence de René Préval, nous voilà fin de la présidence de Monsieur Martelly, que où tu prends le secrétaire d'État sécurité publique là-dedans, où tu prends le ministre intérieur là-dedans, et est-ce que qui plaidoyer a été fait par exemple pour que plan ça lui-même était appliqué et pour te commencer à attaquer problème ça yo que n'a pas là qui vient déboucher sur catastrophe que nous avons dit là. Mais c'est garder pour là, garder quand même résultat yo, garder quand même collaboration que tu gagné par exemple avec le ministère du commerce, garder pour voir ça que tu fait avec Conatel par rapport à identification monde qui utilise téléphone yo. Et c'est ça qui était le premier point que vous puisez en deux plans. C'était lutte contre l'informel et lutter contre ça, nous, l'anonymat légal. Et c'est ça qui force Bandidia. Ils sont anonymes. Le renseignement, il ne faut nous pas ouvrir beaucoup de seulement et gouvernement. Non. Bandidia, pour moi-même, montrer, je veux dire, il y a un meilleur service de renseignement parce que les filtres, ils sont l'État, ils privé, ils sont beaucoup de parce que les anonymes, ne pas connaître. Donc, il y a 20 la tête. Et fait d'abord avec le ministère du Commerce. Moi, j'ai eu plus de compte avec le ministère du Commerce que j'ai eu avec M. la Police. Parce que sécurité publique, c'est en amont pour la question. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, il y a même, j'ai entendu le dire tout à l'heure, et dans l'autre dossier, c'est deux, c'est lié. Il y a le ministère de la Justice et lié la sécurité publique. Mais étonné que moi, une des premières décisions que le Premier ministre et RPL a été pris, c'est faire mes murs ça. Et le docteur Kony continue dans la même logique là. Alors que la sécurité publique, c'est la prévention. C'est lui-même qui prépare le fait que justement, on va attaquer le problème en amont. Parce que là, nous dit lutte contre les formels là. Et c'est ça qui prépare le fait que justement, au niveau de qu'on appelle, on vit avec une campagne identifiée et. Et les gens qui ont servi avec Simio. Combien de gens vous disent qu'ils ont mené sur le téléphone? Qui sont faits? Numéro 1, ou relayer quand même la police, ou dit mais ça arrive. La police écrit, compagnie de téléphone, non, les numéros où ça n'a pas enregistré. C'est là, et ils sont pour laquelle le bandit est à l'aise pour le faire. Donc, au niveau de ça, nous travaillons avec le ministère du Commerce, au niveau des patentes. Parce que je vous dis, là, et lutte contre le blanchiment, lutte contre justement. Ça qu'a fait là, le nègre font comme besoin de laver l'économie noire, c'est au niveau de l'identification entreprise pour le faire. Donc c'est tout schéma ça que nous avons retrouvé. Dans le plan stratégique là, on n'avait rien inventé. Nous avons fait que suivre de route là. Yeah. Donc c'est ça que nous m'en dit. Donc, et solution là, mais pas faire mes livres là, pas jeter parce que c'est pas pour te faire, sur l'autre pouvoir te venir avec, et puis pour commencer à zéro. Encore une fois, les solutions sont là. Maintenant, en cas de criminalité à ampleur que le prend jeudi là, et au-delà de questions et sécurité publique, là, puisque criminalité, c'est lui-même qui ont préoccupation majeure. Et du train que ça va, par exemple, bandit qui a de stratégie qu'il a implémenté sur le terrain, ils ont bien armé, ils ont attaqué la population, ils ont attaqué la police, ils ont fait la police courir quitter le commissariat. Et yo font stratégie disparate sur le terrain côté que y a mené des attaques sur plusieurs fronts en même temps, la police l'a couru par-ci par là, et toute réponse qui essayait bail notamment depuis sur la l'administration de Ariel Henry jusqu'à jeudi là, on a comme l'impression que problème là li pas cicatrisé voire pour que le ta résoudre véritablement. Jeudi là, Reginald Delva, qui est-ce
penser du train que ça va qui est ce penser qu'à et résoudre problème et criminalité là dans le pays hein? Le problème il vient quand même dépasser quand même tout ça que nous ouais déjà il est extrêmement grave et il n'a fait il rappelle pas il y a une autre émission côté comme dit c'est des conjoints de monopolie qui veut ça que vous t'as pas tiré pour être capable de gagner sous maîtrise de monopolie pour comprendre une stratégie que je dis à que nous a pas appliqué et qui presque montre que il y a préparer quand même les territoires. Ce n'est pas n'importe qui prend l'Ouest, là, par exemple, il y a 20 communes, ou à garder plus ou moins le territoire que vous intéressez pour prendre. Et ou à pourquoi que vous gagnez quand même pour alliance conjoncturelle et stratégique qui fait parmi les gagnants. Et c'est là encore une fois, quoi. Et récemment, c'est lui-même qui peut jouer un rôle important dans le travail du gouvernement. Moi, c'est qu'il y a assez de moyens au niveau budget et que vous baillez et gouvernement et même CPTA. Mais si il est bien utilisé, il y a comprendre mieux ça qui a passé sur le terrain parce que Bandi a montré clairement les gonfleurs de route. Mm-hmm. Pour le ministre, il a parlé de récupérer le territoire, caille par caille, quartier par quartier, zone par zone. Il était jusqu'à présent un simple slogan, mais son feuille de route que gagne lui-même, le prend pour appliquer et nous, a réussi là-dedans. Mm-hmm. Et Johnny Ferdinand, soit dit à l'heure, a parlé de la guerre, etc. Et on capable de perdre plusieurs batailles, mais on principe fondamental qui dit parfois, il faut quand même accepter de perdre une bataille pour gagner la guerre. Parfois, on a l'impression de faire une mauvaise bataille, alors que nous, quand on a accepté de perdre, par exemple, personne qui m'a dit gouvernement, la vie fait miracle. Parce que le problème est enraciné depuis des années, nous ne pouvons pas demander pour nous mieux. Mais il faut nous sentir que nous prenons dans la bonne direction. Pas oublier que ça n'a pas vu aujourd'hui, là, c'est une alliance conjoncturelle entre des gangs. Malheureusement, longtemps, nous avons dit que c'est des alliances contre nature. Nous avons dit que c'est des ennemis héréditaires que nous avons là, par rapport à avec profond problème qui ont été gagnés une à l'autre. Et contre toute attente, j'ai l'impression de mettre tête ensemble pour être capable de montrer nous que y a un objectif qui est clair. Mais pas oublier, a toujours été G9, a toujours été GPEP. Y a chaque gagné quand même au côté au sorti, y a chaque gagné quand même allié naturel. Donc c'est ça la suivre là. Sans comprendre comment G9 t'est créé, sans comprendre comment GPEP t'est créé, et qui s'acte qu'on alimente, qui s'acte qu'on alimente et G9, sans comprendre que le Arnel Jouz, Joseph Tabral Mouri, pas que l'équité décide lui-même pour l'hôpital Bonnefait. Malheureusement, on vidéo, la police n'a pas fait vidéo, qui a montré que nous prenons, on a cherché longtemps. Mais non, Anel Joseph te connaît que peut-être sol était scellé, l'étape gangrené, l'idée descend l'hôpital Bonnefait, mais avant de descendre, il remet charge. Et il remet iso-charge. Et c'est une refroid, nous, même j'ai invité la caille chef de gangio, parce que de plus en plus, ils apprennent de prédécesseurs. Yo et qui fait yo et yo vient comprendre et logique élection tout parce que faut nous reconnaître que à une époque il y a des délinquants qui te conduire ma bozam bonne zone. Donc je dis à problème non vient de rien net et délinquants ça va parler c'est des politiciens. Non absolument et malheureusement tout ou bien quand même homme d'affaires, parce que je voulais la question. L'autre, par exemple, n'est-ce pas qui est capable de jouer mal ou attendre qu'il y ait des gens qui jouent. Parce qu'au niveau du kidnapping, je vous dis à la fois, nous reconnaissons. Et dernièrement, là, 29 août, il y a un pharmacien qui a kidnappé sous zone tabac, qui prend 6 balles. Mais gagne à la veille quand même. Famille a négocié. Il a supplié pour la guerre. Mais c'est vite l'homme en personne qui a dit de venir. Et le quand même, Mounsa a sorti de témoigner. Je t'ai dit que tu as mis l'hôpital, avec son infrastructure panégio. Je t'ai dit que tu as mis le sang. Ou même qui a un problème, je dis, alors, cherche une pochette de sang. Pas qu'à jouer. Mais gang n'a pas accès à la pochette de sang. Ou même qui a kidnappé pour le soigner, pour le traiter, pour le mettre en bonne condition, pour capable dire comment c'est négocier avec famille. Donc ça montre que, au niveau de l'organisation, je vous dis à la qui fait. Mais pas oublier, le famille paye une fois, le paye deux fois, le paye trois fois, le paye quatre fois, il n'y a pas la guerre. Non, l'État lui-même dit le dégage, il n'est pas là pour vous, il n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour chercher un canal, il n'est pas là chercher un contact, il n'est pas là chercher un monde qui vient avec le chef gang pour lui dire le temps, pour lui faire la guerre pour moi. Nous, on le convoit. Marchandises, n'est pas perdu des millions de dollars dans marchandises qui sont tombées dans mes bandits. Libou, je n'ai pas le choix pour négocier. Li et ou après journaliste qui vient là, il y a un contact qui fait. Pendant que la police annonce l'opération faite au niveau Bel Air, Barbecue Chita avec les hauteurs, bien que, entre parenthèses, ils ont sanctionné au niveau de
et organisation yo sanctionné journaliste là pour faire quatre voix et mais il y a des contacts qui établis. Donc c'est là encore une fois parallèlement à ça il y a des hommes d'affaires, il y a des monde et entreprises tout ils utilisent non seulement pour capable et au passage ce que un pile monde fait mais l'ont utilisé pour capable et éteindre au compétiteur pour que le monde ne soit pas capable de fonctionner sur l'autre question que lié. Donc là, on a un problème de profond, et Gagné vient réaliser que il connaît qui vient pour le faire, pour faire nous marcher, par rapport avec un renseignement qui est bon, l'arrivée à l'arrivée infiltrer nous un peu partout, et c'est ça qu'on a subi, je ne dis pas là. Mais encore une fois, le problème de nous pas désespérer, ben c'est qu'une fois que le problème est identifié, ben c'est que il est capable de résoudre, et c'est ça qui fait que l'unité à l'île fondamentale, il faut que vous mettez ça à couper, anticipé à et gouvernement pour mettre tête ensemble pour nous malheureusement c'est gagner dans cabane modèle vivre ensemble non? Mais pour nous faire un complot positif pour nous retirer pays dans ça là parce que nous sommes capables. En garde posture yo qui meilleure posture que l'état capable adopter face à et monter en puissance gang yo aujourd'hui en la régionale et Delva et est-ce que l'état doit renforcer pour que l'y adopte une position de va-t'en guerre d'Acadie même contre bandits ou bien il y a deux monde qui a parlé de question négociation est-ce que faut que je dise là l'état t'a négocié à bandits et tenant compte de ça l'état représenté je dis bon par exemple pays côté que problème aussi profond par exemple au niveau de missionnaires qui ont été kidnappés et missionnaires américains et puis des canadiens parmi eux et après c'est presque son magie c'est pas miracle et nous sommes sortis et en captivité et c'est depuis longtemps que vous avez senti que comme momentum là qu'ils gagnent ils ont une force non seulement une force ouais que ils ont une confiance ils ont quelqu'un d'américain ils ont quelqu'un de canadien ils peuvent arriver et ils font pas quatre comme depuis longtemps on voit que et tendance là et c'est augmenter le son kidnapper n'importe qui monde le nouveler côté nouveler jamais nouveler parce qu'ils n'ont pas arrivé nous. Donc, c'est ça qui est malheureux, qui fait que vous-même, vous êtes obligé de prendre la garde qui angle que vous pouvez aborder le problème. Mais pas oublier que on peut avoir l'autorité légale, même si j'ai l'autorité qui l'a eu, une autorité légale. Mais plus important parfois, pour combattre, non, c'est avoir l'autorité. Donc, il faut que nous soyons sûrs que nous ne pouvons pas d'être envers gang. Et un pile dirigeant, malheureusement, parfois, vous avez l'impression que vous n'avez pas agir parce que même dans la vie civile, vous avez été pris un poste là. Vous avez un gang de fait pour vous, soit vous avez été kidnappé. Je me rappelle en décembre 2020, le premier ministre, en fait, et M. Ariel Henry, docteur à l'époque, était une nièce avec un frère qui a été kidnappé. Et docteur Ariel Henry était accompagné dans. Et dans la démarche que d'entrepreneur au niveau négociation, mais une des pertes de contact avec l'équipe qui t'a négocié à un moment, mais il y a quand même l'impression que il y a des démarches qui étaient faites pour que tu es capable de libérer plus. Mais maintenant, gagne ça, côté arrivé, dit le temps plus souple, la guerre pour moi, est-ce que vous avez une autorité morale après ça, le ou une chef ou capable à l'attaquer alors que vous avez pratiquement une certaine reconnaissance envers lui-même, l'autre en difficulté. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut être prudent, et c'est ça même qu'on est que il y a des gens qui là, il y a des gens qui n'ont aucune dette envers gang, il y a des gens qui n'ont aucun problème pour adresser ces problèmes-là, et c'est ça pour nous arriver à identifier, parce que souvent, ça crée nous qui paralysent nous, qui handicapent nous, qui fait que les autorités, même le en poste, n'ont pas qu'à avancer, parce que au fond, et même gang, ils renforcent leur point de monde qui là, sont les gens qui ont dette envers lui-même. Donc je n'ai je dis à la, ça qui est grave là, même le ténor du campé Abdou, que nous parler pour nous déposer des armes, nous parler pour nous faire une série de bagages, ils ont déjà fait école. Bon, c'est le jeune là, et l'homme te dit l'autre jour, l'émission était faite dans CNN, il dit que nous fait petit, pas fait sentiment. Autrement dit, il est déjà doux, il est déchargé de ça, l'autre nous a fait. Parce que l'homme parle de vivre ensemble, l'homme parle de ennemi héréditaire. Mais très sûr, et ma poêle, je ne vous dis là, même le vitel décide de chita avec l'homme sans jour, ce que moi-même admettre que ma chambre pensait que c'était possible, même le que mon village de Dieu d'accord pour collaborer, je vous dis, avec Tiboua, après ça que je connais qui passait entre eux, ce que moi, c'est pas ta chambre possible, mais le fait, je ne vous dis là, contre toute attente, mais cependant, il y a des lots en dedans et organisations sérieuses, criminelles sérieuses, qui pas d'accord. Et qui ça vous fait, et monter équipe pas eux. Donc si nous quittons que modèle ça, ça capine d'air, c'est de nous suivre, pour nous voir que les ténors
yo vin guérison sou nou yo ka nou di a chita y a fait droit eh bien nous pas besoin de sortir là-dedans parce que jeune jeune aujourd'hui à la pépinière que vous êtes formé là c'est presque ou bien sélection et professionnel là ou bien junior ou bien cadet ou bien minime donc une a vinn derrière l'autre nous pas capable quitter au pays privé dans ça donc faut une leçon faut que les gens qui pour tracer et encore une fois solution là autorité ou pas personne qui te forcer au monde vienne là vienne ton poste monsieur Kony était en dehors du pays il s'occupe pour fonction importante au niveau des Nations Unies il décide vienne là mais veut qu'elle de bonne foi il dirait mes pays livrer qui sont bagaille et tout le monde qui là y compris les ministres que nous ça le courage parce que pour monde vienne là pour venir mettre en bataille ça faut grand pile courage mais cependant faut que il montre que il est capable de lever des filles. Eugénal Delva, ou saute évoqué pendant l'intervention matin à la question déporté. Comme moun qui était ministre intérieur, qui était secrétaire d'État sécurité publique, comment yo géré yo? Comment l'État haïtien géré déporté yo? Tout à fait. Et pas oublier que l'OIM et qui impliqué dans la question. Il faut que son dossier pour nous, pour que à l'époque, nous avons pris en amont. Le dit en amont, et pas oublier, nous avons dit depuis le tribunal là. Je déjà dit, on m'a parlé dans le tribunal, lui a prononcé verdict là. Et c'est là encore une fois, permettre que nous le ministère fait étranger un gros rôle pour la question, parce que c'est au niveau du consulat pour la question ça et à débattre. Parce que Haïtien, que nous avons fait un pile, nous avons pas le déporté, que nous avons pris temps à l'époque pour nous parler avec eux, pour nous comprendre plus ou moins. Et pour nous comprendre plus ou moins au niveau des déportés problèmes. Non? Et c'est assistance qui n'a pas joint le arrêté. Et il y a plein de monde justement qui si des journaux assistance au niveau du consulat de Haïti, qui et Miami, qui Orlando et qui New York, ça t'est capable mieux. Donc là, maintenant, là, on arrive dans le pays, c'est presque que trop tard. Et assistance, c'est tout simplement un cadre comment obligé Bali. Et encore une fois, pas oublier que nous n'avons pas. Et OIM, c'est lui-même qui. Et qui placé pour que qui ont un accompagnement. Et il y a des pays qui disent que vous changez de milieu, autrement dit, l'autre côté, vous changez de milieu, mais vous ne pas changer de statut. Autrement dit, il y a un gouvernement. Le gouvernement américain et le gouvernement haïtien ont pile pression pour ça, parce qu'en fait, vous êtes rentré libre, il finit projet permis, ou pas mettre en prison. Mais nous n'avons pas une structure pour ça. Donc, littéralement, quand même, pour nous travailler en pile avec le ministère et avec OIM, pour que nous ayons encadrement. Mais félicitations aux gens de là, nous ne sommes pas capables de canaliser les gens vers un pays qui n'a déjà pas d'emploi. Il y a qui rentre, nous sommes appelés à une époque, nous avons des bons mécaniciens, pas oublier que pays et États-Unis particulièrement, c'est gasoline, et Haïti, c'est diesel, et nous avons réalisé que nous sommes capables de possibilité pour que nous canalisions M. Sayo qui finit plus GPNU. Est-ce que une société n'a pas accepté un monde qui fait 15 ans, 20 ans en prison, vient travailler et avec lui, ce n'est pas évident. Le peut pas même bien travailler pour un monde qui n'a jamais de dossier criminel. Mais il faut nous admettre qu'une fois que nous arrivons, nous travaillons en pile avec l'affaire étrangère. Et même rencontrer avec les studios d'État d'alors, les États-Unis, qui était Mme Hillary Clinton, pour nous soulever le problème, pour nous demander le moratoire, là, pour nous demander un meilleur accompagnement. Et du déporté, mais je m'admets une fois que mon atterri là, et lui a lui-même structure faible pour permettre de livrer un encadrement dans un pays aussi difficile. Et c'est ça qui fait que nous combat fait lui-même en amont, et je pense que le ministère a fait un très bon rôle pour jouer dans la question. Nous allons finir, Réginald Delva, mais après, on se casse rapide parce que nous avons deux dernières questions pour là. Et nous sommes dressés panorama. Et réalité ou bien situation de criminalité qui gagne dans le pays. Maintenant, on nous garde réponse qui a baillé dans le moment ça là par rapport à la question. Et la police, tous ces poignets li, il y a beaucoup de l'armée qui est accompagné tout de forces multinationales pour que nous avons bataille qui a fait contre bandit. Formule ça. Et Réginald Delva, ou même qui compte question sécurité, ou même qui compte question criminalité, hein, formule ça, c'est un ampi bon formule yo, ou bien tu as un lot qui est plus efficace, qui t'a implémenté aujourd'hui? Hein? Bon, encore une fois, et c'est encore une fois rééducation à ZAM et à munitions. Et moi-même, je suis persuadé
que lutte contre la criminalité, il faut nous garder l'objectif final là. Parce que fort heureusement, nous pas gagné en guerre de religion là. Nous pas gagné guerre. Et gagnons un groupe expert dans la question et l'enseignement et Frédéric Bix, qui parlait de sept péchés mortels et pardon, sept péchés mortels de l'espionnage. Nous allons entrer là en détail pour lui parler de quand même une chose. C'est comment pour infiltrer et comment pour gagner arriver à recruter. Et un point que je soulevais qui est fondamental, que je crois que c'est ça qui est pour Haïti, c'est solidarité qui gagnait entre eux et en solidarité que les gens qui parlent infiltrer ou qui parlent recruter jouent. Ma bon exemple est simple, et pour qui ça m'a dit que ce n'est pas solution, ce n'est pas tirer le lobby qui parle d'une solution. Finalité n'est lui-même, c'est fait comme. Finalité A, c'est pour lequel il y a un gros moyen et je prétexte que lui-même n'a pas joué une possibilité pour le dégager. Donc c'est ça qui fait que je parle de l'informel là, c'est ça qui fait que je parle de l'anonymat. Parce qu'à la fin de la journée, le nègre a fait 2 millions, il fait 3 millions. Il investit de l'autre côté, l'entrée dans l'entreprise de Dieu, l'entrée dans la banque pour le mettre comme là, il utilise l'autre monde pour rentrer, l'entrée dans la matière de construction, l'acheter pour 100 000 dollars cash américain, personne ne va demander le. Pièce justificative, alors que voilà, banque fond dit pour 10 000 dollars, il y a un paquet de documents, mais il faut le temps aussi valable tout dans des entreprises. Et c'est là que nous te dit que faut que nous fassions suivi. Tout ça, ma bouillon là, il n'y a pas inventé. Il a parlé d'un plan stratégique là, comment pour capable lutter contre le chiffre des avoirs. Une fois que nous avons 10 camions que l'État a saisi, il y a deux cahiers qui ont saisi. Mais après, récemment, là, et bon, il y a peut-être 3 ans, il y a un ancien responsable et BLTS et pays d'Haïti. Que le gouvernement américain saisi et deux cailles que les États-Unis et à partir de deux et facilités que vous avez, mais avant de découvrir ce qui nous caille ça a été, il était prêt en pile temps. Je ne vous dis à la traçabilité à possible. Je ne vous dis à la bien ou là. Et c'est ça fait que Mbavlon mon a fait là. L'on a parlé de monde qui volait, de monde qui ceci, de monde qui cela, bien ou là. Il faut que vous ayez courage pour identifier, pour retracer, pour connaître les gens qui vous êtes. Prête, non, je vous dis à la, presque pas existe encore. Paradis fiscaux, presque pas existe encore. Il y a besoin de vous. Donc c'est là, encore une fois, seul je vous décourage, les gars. Objectif, c'est fait comme, mais chaque temps qu'on court, il y a un ou deux ans après, il perd d'huile, mais il faut patient. Il faut que l'autorité qui vient de là, pas casser tout effort qui était fait avant, mais finalité, c'est ça. Il faut pas arriver de ton côté. Pour combattre les formes là, pour combattre l'anonymat qui vient légal, je ne veux dire là, le soir après de meilleurs résultats, pour finalité avec la pointe, même s'ils font 1 million de dollars, fait 2 millions de dollars, à la fin de la journée, il n'est pas capable d'investir, il n'est pas capable de mettre l'économie formelle là. Pour finir net, je vais quitter le sambaman de Fonti réagir sur le communiqué ministère justice et la sécurité publique là. Et par rapport justement à menace d'assassinat qui pendait sous dos yon premier ministre et son communiqué ministère de la justice mettait dehors pour annoncer et ou bien pour dénoncer baron et yon baron comme ça et comment comprendre stratégie ça préoccupant et moi t'as souhaité que l'y parler au stade de communication comment parce que ministère de justice l'a parlé hier et moi d'accord qu'il faut prendre les choses sérieux et nous pas capable banaliser on menace contre le premier ministre contre des membres de son gouvernement. Parler que le président il m'a toujours dit ça qui peut plus que moins président Jovenel Moïse mouri et par rapport à banalisation des menaces qui t'a venu et que nous été banalisé et m'a toujours dit c'était pas clair mon président Jovenel Moïse même si la paix et 4 teams soit team détiré tout colombien ont tiré tout astraien dans carré là et en plus monde qui t'a dit sur montage de monter au Colombie ou t'as circulé dans la ville là, tout le monde a pu donc faut mourir pour le coup. Donc, je pense que le comportement du ministre de la Justice là ni normal, ni responsable, mais cependant, il faut que nous gagnions plus que ça. Parce que l'on va communiquer, c'est dire aux populations, nous avons un danger là, mais nous avons un problème. Donc, la population, pour le prendre plus, pour le prendre détail, pour ne pas arrêter seulement, et au niveau de notre campagne de communication, si on a des barrières, on est capable de révéler, mais je pense que nous avons plus. Petit détail pour qui pour t'as sorti pour ne pas avoir l'impression que tu presque vu la planche de sur l'autre et pour que ni pas été seulement dénoncé mais on communiquait comme ça l'on lit bien ou est que autorité ou semblait qu'on de qui monde peut parler donc on sentit que on connaît est-ce que maintenant son complot local est-ce que l'international donc Napton d'ailleurs pour le ministre là, c'est aussi le ministre de l'intérieur, ils ont un gros rôle pour jouer pour protéger et pour peut-être lui et protéger l'autre gouvernement donc nous-mêmes Napton
Et mais bon, c'est très préoccupant, notre qui sont il y a quand même faut bon suivi. Le journal Delva n'a pas fini, mais la police, t'as qu'on dit dans mise en contexte là, Johnny t'es rappelé, a mené des interventions, c'est vrai, il y a des bandits qui a pas tombé, mais gagné tout question munitions, examens qui continuaient après le joint bandit. Est-ce que c'est un travail qui est difficile pour que l'État arrive à bloquer sous ça, côté munitions avec les amis après sortir pour entrer dans le pays? C'est un travail qui est difficile? Non, ce n'est pas difficile du tout. Et pour les identifier, moi, je fais quelque chose dans ce sens ça pour que je comprenne et justement, et sur ça, comment il va arriver à faire. Moi, j'ai visité un pile et monde qui a fait conteneur, et qui a voué conteneur Haïti, ou après, son songe arrestation yon, le gouvernement américain, il dit ça, ils font un bon travail dans ce sens ça, dans essayer de barrer et conteneur qui a vécu avec ZAM vers sud et de sud Floride là. Il y a encore beaucoup à faire, de ça me comprendre. Et c'est là encore une fois, je m'a toujours dit que au niveau du consulat et que nous gagnons à l'étranger, il faut que nous jouions au lieu. Donc là, on va pouvoir que, et s'ouvrir pour l'arrestation yon yon, et madame, ça qui est fiancée et yon yon, et l'entanis ou quoi, tout arrête. Tel, en leur sort d'Haïti, et c'est lui qui t'a dit, leur arrêté de prendre téléphone, et c'est là, yon jouen que l'a dit, c'est nous, c'est 400 marouzou, et même le yon yon était faibli, et fléchi par rapport à kidnapping missionnaire et américain, plus canadien, c'est lui qui t'a dit, yon kembe la par la gemoun yon, faut le faire comme là. Donc, la photo qui a été jouée, nous a été jouée dans pile et côté que tu as montré, tu as dit montré, tu as mis des armes, là qui ont été pour mettre au côté pour aller, etc. Donc, il faut que vous nous mettez au gouvernement qui en fait, d'ailleurs, dans le pays aux États-Unis, et des armes qui sont saisies depuis un port et de sortie qui va être arrivé en Haïti. Nous, nous avons des gens qui ont été jugés, et encore une fois, chaque fois, un jugement qu'a fait de haïtien mais américain parmi que américain haïtien a acheté des armes faciles aux États-Unis mais ils vont les amener illégalement donc une baisse tout est qui fait d'après ce constat qu'on fait au niveau des armes qui la fait sur ce rite là je vous dis à vous senti que et autrement dit et trafiquants utilisés ont l'autre formule qu'on y a là ou senti que les conteneurs sont en Floride ils ont tombé Saint-Domingue pour passer par la frontière pour rentrer en Haïti. Mais ces problèmes-là ont été identifiés. C'est la raison pour laquelle... Ils utilisent la mer à tout. C'est la vie de l'enseigne. Le journal Delva, ils utilisent la mer à tout. Certes, d'après toutes les données que nous jouons, parmi que Colombie était sorti en boum, pour parler de combien d'armes et munitions qui ont été perdues dans Tokyo. Ma rappelle, par exemple, au niveau de l'infiltré, je ne pas prendre porte-parole la police, là, fait pour parler adjoint à rien, que une principale, et c'est là encore une fois, Fon Prudent, une meilleure police là et police là et gagné, on capable de dire la police nationale. Et bien, il est en mieux, on dit, on est les amours en panne, c'est qu'il a préparé le bourreau, on est qui des années, son ex, son magicien, qui aurait les monsieur, et bien, tout pendant le temps, il peut travailler pour gagner. Donc, la police, elle vient identifier ça. Il vient trop tard, et je vois là qu'aujourd'hui, ce bonhomme a été recruté par Vivance, qui a marché sur toute information, réparé les armes dans tout territoire gagné. Donc là, encore une fois. On va parler de qui est-ce, on va parler de qui est-ce là. Comment monsieur Eli? La première fois, voilà, je ne sais pas comment ça, que mieux en mieux, il y a la police là, t'es gagné, hein, et tout pendant le travail là, que le travail pour justement, et monsieur Gagnon, la police pas jamais comme ça. Heureusement, tant comme je vous dis, il y a des citoyens concernés avisés, qui décident eux-mêmes, même si vous n'avez pas le pouvoir, ou bien vous n'avez pas la police, ou pas dans l'État, si vous avez une information, il y a un bail, et c'est comme ça la police, ils jouent un bon timamit, ont information que y a un monde, justement, avisé, qui connaît un pays, qui veut être un pays, qui a un bon timamit, qui a décidé de partager avec l'autorité de la police, mais malheureusement, et y a une parole affûtée, le monde n'a pas vu qu'on est, et puis qu'on est là maintenant, il était dans le camp et vivre ensemble. Ah, donc, ça, c'est des bagages qui sont extrêmement dangereux, extrêmement préoccupants, qui fait que, justement, nous ne sommes pas capables de quitter la police là seulement. Système d'identification, il faut que l'on renforce, il faut qu'on ne soit pas capable de bénéficier facilement pour changer nom, changer l'identité. Pourquoi demander la police là, fait trop de travail qui pas travaillé. Donc, c'est là, encore une fois, l'on a remonté pour nous retourner dans la question ZAM. Et il faut nous identifier.
identifié un point de passage. L'homme de la ministère intérieur nous a révélé plus de 100 points de passage clandestins. Et pas oublier encore une fois, l'homme nous crase l'armée, nous crase la structure. Et l'homme fait tout et poste frontalier. De un chapitre jusqu'à zone nord-est et filier, zone Sayou. Ou après que tout côté où tu es capable de dire, admettons point là de contrôle, ou après qu'on t'y mûre jeune qui était là, l'armée était déjà là. Autrement dit, on n'a rien à inventer. Tout a été déjà fait, étude l'a été faite déjà, l'armée était faite déjà, et puis nous créons des institutions. Donc là, encore une fois, nous sommes capables de protéger les frontières là, mais je vais retourner encore à plan de développement PNH là. Et plan de développement PNH là, comme nous, l'IPAP a la donne aux forces l'armée d'Haïti. Donc il faut nous retourner dans le plan pour nous modifier si nous voulons l'armée qui est liée. Effectivement, il faut modifier le plan. Donc c'est là, encore une fois, nous ne sommes pas capables de continuer, faire de tout ça qui est fait avant. Il faut nous capables de courage pour nous dire qu'il y a des bons bagages qui étaient faits, un qui a des bons bagages et écarté de ça qui pas bon. N'a pas fini, vraiment, Reginald Delva, mais ça, c'est un auditeur qui voit une question. Ça, il dit demandez pour lui à M. Delva. Comme il était dit, gang Clifford Brantlan, c'était plus grand gang qui était existé dans les Caraïbes. Là. Est-ce que gang qui l'a, je dis, pas dépassé gang Brantlan? Bon, je ne pense pas que c'était. Évidemment, c'était par rapport à oublier que par rapport à la fonction que nous occupons, et par rapport à poste que nous occupons, accès que nous avons à l'information, lorsque un homme d'affaires qui a mis dans un véhicule, qui a accès à banque, qui est capable de garder crédit, qui est capable de garder un accès à un paquet d'informations, ça fait de lui extrêmement dangereux. Lorsque il décide d'utiliser l'information là, pour terroriser les gens, pour kidnapper les gens et pour le foncer de actes criminels. Donc c'est ça qui prouve, c'est pas que les gens en lui-même, c'est pas non, hein, c'est plus poste que les gens occupé fonction que les gens dans la société. Hein. Même si je ne parle pas tout à l'heure de responsable BLTS et qui était quand même identifié, qui était dans la balade, la position fait de lui au monde qui est extrêmement dangereux. Même si je ne parle pas tout à l'heure de Hormio hier, on a accès à la commissariat qui a préparé les armes. Pour ce que l'occupé a fait de lui, l'un décide de travailler avec Bandia, au monde qui est extrêmement dangereux. Donc, je ne veux dire là, nous sommes capables de dire que, et soit pour Amadou Clona, soit pour Evensi Koutou, soit pour Domlage, soit pour Edward Wilmé, je ne pas croire que nous n'avons rien devant ça à vivre, je ne veux dire là, par rapport avec gang, avec les gens qui sont organisés. Malheureusement, il y a des supports. Malheureusement, il y a des supports des délinquants dans la société. Qui comprennent qu'ils sont capables de continuer à alimenter en hommes et en munitions. Ou malheureusement, ils ont un support au paquet de monde à l'étranger qui a encouragé ce qu'ils ont fait. Le problème n'en vient beaucoup plus profond par rapport à tout ça que nous dit là. Donc, est-ce que vraiment il est dépassé? Oui, parce qu'ils ont mis tête ensemble, ils ont organisé, ils ont une technologie qui permet de mieux organiser, ils ont encore une fois et anonymement informel. Là, je dis là, on n'est pas qu'à travers mon cash, notre cash, ou à payer précob et l'homme et les citoyens, parce que le système ne fait qu'ils n'ont pas qu'à identifier. Donc, ils ont accès à la technologie, ils ont accès à un paquet d'informations qui fait de eux un effet puissant. Merci à Bill, Reginald Delva. Toujours plaisir, à bientôt. Donc, c'était Reginald Delva qui a été venu sur Antenne Radio Télévision Caraïbes au matin sur les questions de plan de sécurité. Donc, des fois, nous avons un plan, donc, un expert qui mettait tête ensemble pour que nous produisions un plan de sécurité pour le pays. Mais nous avons manque de volonté, donc, un bon côté, n'est pas capable de diriger, donc, qui fait que le plan ça, donc, pas jamais exécuté, donc, qui. Donc, bah, nous, résultat que nous avons là. Wadim, qui ça que vous pensez? Et encore, dans un commentaire. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous. De commencement à la fin, si vous avez peine tombé sur le channel, ça, pas oublier d'abonner, pèser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Et nous saluons tous les amis nous qui un peu partout. Donc, quitte à moi-même, après, je vous rejoins dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran que moi invité. Vous cliquez et vous avez l'autre vidéo.